Nous sommes au lac du Der, nous passons quelques jours. Hervé était nagé et puis on a fait du bateau ce matin aussi. Je vais vous faire un petit topo tout à l'heure et on se revoit après. Le lac du Der est un lac du nord-est de la France. Il est situé dans la région Grand Est, à la limite des départements de la Marne et de la Haute-Marne. Il a été conçu pour protéger Paris des inondations et atténuer l'ampleur des crues. Sa capacité nominale est de 350 millions de mètres cubes, avec une superficie de 48 km carrés. Il est le plus grand lac artificiel de France. Le lac du Der a une profondeur maximale de 18 mètres. Pour une moyenne de 4 à 7 mètres, plusieurs presqu'îles et l'île de Chantecoq où nous avons été en bateau. Sa création a commencé en 1938 de 450 hectares appelés le Vieux Der. Puis en 1974, ce fut la création d'un immense lac. Mais pour sa réalisation, il a fallu détruire des hectares de forêt, des fermes, des étangs et trois villages. Chantecoq, Champebert au bois et Nuissement au bois. Il ne reste que l'église de Nuissement au bois qui a été démontée et reconstruite aux abords du lac. Il est devenu un musée à la mémoire des trois villages engloutis. Il y a de nombreuses activités à faire en couple ou en famille autour du lac, comme par exemple faire un tour en bateau, ce que nous avons fait, ou aller à la plage pour s'y baigner. Hervé qui a tout retiré. Et tu tiens pas le volant? Ah c'est bon, j'ai trouvé le truc, il va tout droit, regarde. Bah, il est en crabe. Il est en crabe. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.